Alors, je vais m'arrêter là, mais retenez ces trois aspects, et c'est important de voir ça. La continence, avant même la question du plaisir, c'est la continence pour le royaume. Et Jésus parle surtout de ça. Ensuite, il y a la chasteté, qui est l'éducation de notre sensibilité. Continence avant le mariage, pour apprendre quelque chose, pour éduquer notre sensibilité, puis pour respecter en donnant d'abord une parole. Et puis en troisième lieu, un lieu de combat contre le péché. Et c'est un lieu qui n'est jamais neutre. On ne peut jamais dire, voilà, c'est fini, c'est bon, maintenant je gère. Mais celui qui dit ça, gare, comme on dit ça, aux gelées de printemps. C'est ce que c'est les gelées de printemps? Alors ça n'existe pas ici parce qu'il n'y a pas de gelée. Mais le printemps, en France, l'hiver part, il y a le printemps, et puis on voit les bourgeons. Et puis les agriculteurs sont contents parce qu'ils disent, voilà, l'hiver est fini. Et puis il y a une gelée de printemps qui fait que ça vient tout gâter. Alors celui qui dit qu'il est fort, comme dit saint Paul, que celui qui se croit fort, qu'il ne prenne garde de ne pas tomber. Voilà, amen. Amen. Extraordinaire. Le vrai Thibaut, merci beaucoup. Merci. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que la philosophie et toi, c'est la vie et le corps. Il a essayé de nous mélanger un tout petit peu dans les méandres de lui. On va faire ça. Est-ce qu'on va l'attacher, non? On l'attache? Alors, qui voudrait donc juste quelques questions, si vous les avez, ou les noter? Ah, moi, si tu peux apporter quelque chose? D'accord, super. Alors, j'ai pas une occasion. Non, je crois qu'il y a un problème là. Oui, touche un peu. Ah. Ouais, la pile commence à lâcher. J'ai pas eu l'occasion de saluer tout le monde, donc bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Moi, je prends la parole pour embêter un petit peu plus le père Thibault. Voilà. Je m'attribue ce rôle-là. Ok. Je vais partir sur une notion philosophique pour mieux t'embêter. La question des rapports sexuels. Je ne vais pas dire de la sexualité parce que c'est autre chose. Des rapports sexuels qui a provoqué ce thème. Donc, est-ce que la continence est un commandement de Dieu? Ton intervention est vraiment canon. Je ne le dis vraiment pas parce que tu es là, c'est top. Mais ce que je vais dire te permettra peut-être d'aller un peu plus loin en bénéficiant. C'est que, si je ne me trompe pas, il y a en philosophie chrétienne, peut-être même au-delà de la philosophie chrétienne, ce qu'on appelle les inclinations naturelles. Dans les inclinations naturelles, je crois qu'il y en a cinq, si je ne suis pas sûr de me souvenir des cinq, il y a le besoin de se nourrir, il y a le besoin de préserver sa vie, donc garder sa vie, il y a le désir sexuel, il en reste deux autres, préserver sa vie, désir sexuel, désir de manger, je sais qu'il y en a deux autres, mais bon, peu importe. L'essentiel, c'est de faire remarquer qu'il y a le désir sexuel dans les inclinations naturelles. Dans ces inclinations naturelles-là, le besoin de se nourrir, l'Église nous... Enfin, la loi divine et l'Évangile et l'Église nous demanderont de ne pas être gourmand, par exemple. Tu peux te nourrir, mais ne sois pas gourmand. Le besoin de préserver sa vie, c'est légitime. Le besoin de... Enfin, voilà, je t'ai dit, il y avait un troisième. J'ai oublié, là, j'ai fatigué. Alors, j'ai envie de dire dans cette inclination naturelle, d'une part, pourquoi le chrétien doit s'abstenir de rapports sexuels et pas s'abstenir de nourriture complètement? La nourriture est une inclination naturelle, c'est naturel. Le désir sexuel est aussi naturel. Des deux ou des cinq, on va dire, l'Église nous demande de ne pas avoir de rapports sexuels.
c'est un peu chaud. Parce que si c'est une inclination naturelle, en dépit de mon désir de bien faire, de rester intègre, il y a la chair qui prend le dessus. Comme je peux avoir faim et j'ai besoin de manger. Pourquoi il y a cette prescription radicale de ne pas avoir de rapport sexuel avant mariage? Tu en as donné une réponse et elle est très ajustée. Le problème là-dedans, c'est que d'une part, comme l'ont dit ces deux jeunes, l'Église dit, ou du moins les prêtres se font le relais de ce que l'Église dit parce que les encycliques sont plus développées, mais on entend très souvent pas de rapport sexuel avant le mariage et on ne sait pas spécialement pourquoi. On ne comprend pas le bien fondé de ça. On s'entend comme ça, non ? On ne sait pas vraiment pourquoi il ne faut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. C'est sûr que l'Église a dit, on fait, c'est tout. Et comme on ne comprend pas le pourquoi, finalement, on en veut à l'Église, on la traite de ringarde, on se dit que voilà, c'est dépassé et tout, etc. Mais, donc, ma question c'est ceci. Si l'Église propose de ne pas avoir de rapport sexuel avant mariage, est-ce que finalement, ce n'est pas quelque part contre nature? D'autre part, il y a eu un genre de boule de neige dernièrement, enfin il y a un an et demi, voire deux ans, où alors que c'est tellement, je ne dirais pas ambigu, mais il y a tellement de questionnements sur ce sujet-là, que le pape François a dit quelque chose de très ambigu. Ça a été relayé sur Internet et les journalistes s'en sont fait le relais. Ce que j'ai trouvé embêtant, c'est qu'il parlait dans la chaire de Pierre. Ce n'était pas une causerie à table. Le pape François a dit, et ça se trouve sur Internet, hein, je ne suis pas en train de trahir quoi que ce soit, le pape François disait qu'il a des amis qui ont leur couple qui dure parce qu'ils ont longtemps vécu en concubinage avant et que il serait plus pour des personnes qui vivent longtemps en concubinage avant de se marier, ça donne un mariage solide, que des gens qui veulent tellement bien faire qu'ils se préservent de tout et se marient et finalement la catastrophe se constate en plein mariage, ce qui fait que le mariage ne dure pas. Bon, il sait ce qu'il fait, mais je veux dire, on est tous adultes, on a tous droit aux encycliques, à la tradition de l'Église, à l'Évangile et aux textes d'Église. Même si, je veux dire, qu'ils le disent à des personnes comme toi ou des personnes averties, c'est discutable, on relativise et tout. Mais aux fidèles chrétiens, en sachant que tout le monde n'a pas fait la théologie, la philosophie, ça crée, enfin je ne vais pas dire ça crée pas mal de dégâts, j'en sais rien, il ne faut pas que je parle trop vite, mais pour le peu de personnes que j'ai entendues en parler, je connais quelques personnes qui ont relativisé. Qui ont dit, même le pape est d'accord avec ça. Du coup, l'Église dit, quand tu es en concubinage, tu ne communies pas, tu ne te confesses pas. Tout le monde dit, bon, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? On n'y comprend rien. Voilà. Donc, primo, est-ce que ce n'est pas contre nature de dire pas de rapport sexuel avant mariage? Secondo, est-ce que l'intervention du pape ne dit pas quelque chose d'une Église qui exagère un peu? Voilà. Alors, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est la première objection que la deuxième objection se pose saint Thomas d'Aquin dans sa question sur la virginité. Il dit, mais la virginité, elle nous met dans un extrême, puisque c'est abstention de tout rapport. Hein, il se pose la question, est-ce que la virginité, elle est contre nature? Bon, d'abord, c'est pour le religieux, mais c'est vrai, on pourrait dire, avant le mariage, c'est quand même chose qui est contre nature, puisque le propre de la vertu, on parlait de vertu de chasteté, le propre de la vertu, c'est d'être dans un juste milieu. Ouais. Comme dit le proverbe latin, je vous parlais en latin ce soir, in medio stat virtus. La vertu est dans un juste milieu. Toutes les vertus ne sont pas dans des extrêmes. C'est pour ça que la tempérance, par rapport au boire et au manger, celui qui mange trop, il est dans le vice, et celui qui ne mange pas assez, c'est le vice d'insensibilité, il est aussi dans le vice. Et saint Thomas d'Aquin dit, mais puisque la vertu est dans un milieu,
quel est effectivement le sens de demander la continence, alors que ce soit une non-continence périodique avant le mariage, pour le religieux, puisque là, on n'est pas du tout dans un juste milieu. Et que la sensibilité, elle a effectivement besoin, elle est mal à l'aise dans les extrêmes, la sensibilité. Si elle est dans l'excès, il y a quelque chose qui se détruit. Et c'est pour ça que cette objection, je vous ai parlé de ce musulman qui s'est arrêté devant moi, et c'est une vraie objection qu'il faut vraiment entendre. C'est que pour les musulmans sont choqués en disant, vous savez que les musulmans, l'islam c'est une religion de la modération. C'est-à-dire que les musulmans disent, nous, alors sauf certains mouvements soufistes, disent, nous on ne va pas devenir des anges, nous on est des hommes. Et les hommes ont besoin de la modération. La prière, tu le fais bien avec modération. Le rapport aux femmes, tu le fais bien avec modération. Et c'est une vraie question à entendre. Parce que le boire et le manger, c'est vrai, celui qui s'arrête complètement à manger, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour donner quelques éléments de réponse, je ne prétends pas totalement répondre à cette question, je voudrais répondre d'abord en... Parce que cette question, elle est très très contemporaine, en fait, même si elle est ancienne. Et il y a deux manières, tu as parlé d'appétit, d'inclination. Alors, ça c'est quelque chose qui vient de saint Thomas d'Aquin, qui parle des grandes inclinations de la loi naturelle. Il y a effectivement la conservation de soi-même, la conservation de l'espèce, la vie animale, et puis après il y a le rapport de la vie en société. Il y a deux manières de regarder une inclination. C'est vrai qu'il y a des inclinations qui sont en moi, c'est naturel, je ne peux pas les enlever. L'inclination au boire et au manger, c'est naturel, je ne peux pas l'enlever. L'inclination, justement, à laisser un autre après soi-même, c'est naturel. Moi, je suis religieux, en entrant au couvent, je n'ai pas enlevé cet appétit, cette inclination, cette... comment tu appelles ça? Appétit, non? Inclination. Inclination. Voilà, inclination, vous voyez, c'est... Qu'on le veuille ou non, on est porté vers. Donc, on est porté vers le fait de se nourrir, on est porté vers le fait d'engendrer, et c'est vrai, le fait que je suis religieux, ça n'enlève pas ça. Alors, il y a deux manières de regarder l'inclination. Et la philosophie contemporaine a utilisé un mot qu'on utilisait peu avant pour parler de ces inclinations. Et la philosophie contemporaine a utilisé un mot, c'est le mot d'instinct. Et je vais un peu développer. Avant, on parlait d'inclination, maintenant on parle d'instinct. C'est surtout Freud qui a parlé d'instinct. Alors, quelle est la différence entre les deux? Vous avez dit, mon père, vous êtes en train de chipoter sur les mots. Déjà, Amos parle de philosophie, où est-ce qu'on va s'engouffrer? C'est très important. Quand on parle d'instinct, on sous-entend une force aveugle contre laquelle on ne peut rien. Le fait de se nourrir, c'est un instinct. C'est instinctif, c'est en toi, tu n'y peux rien. Le fait d'avoir un commerce charnel, c'est instinctif, tu n'y peux rien. Quelle est la différence entre parler d'inclination ou d'instinct? L'instinct, on ne regarde plus la finalité de cette inclination. Que ça soit le point, tout ça c'est instinctif. C'est pour ça que le propre de Freud, c'est d'avoir traité la sexualité comme le boire et le manger. Donc c'est des instincts, c'est-à-dire c'est des forces en moi. Et ces forces, je ne peux rien contre elles. Elles sont plus fortes que moi. Il y a quelqu'un qui réagit, je ne dis pas que je suis d'accord, hein. Je dis, c'est comme ça que la philosophie contemporaine le prend. Elle prend ses inclinations comme des instincts. Et au Moyen-Âge, justement, on dit, c'est instinctif, mais c'est une inclination qui a un objectif. Quel est l'objectif du boire et du manger? C'est la conservation de l'individu. Quel est l'objectif de la génération? C'est la conservation de l'espèce. Et en fait, l'instinct, on regarde très fort par rapport à ce dont on a conscience. Et en fait, on pose le problème à partir de « j'ai conscience qu'il y a une force en moi et j'ai conscience que cette force même, elle est plus forte pour l'appétit sexuel que pour le boire et le manger. » Et en fait, si on regarde cette force du côté de ce dont on a conscience, on pense qu'on ne pourra pas la dominer et que ça s'impose à nous. D'ailleurs, lié au péché, en fait, quand on regarde l'instinct, on n'arrive pas à distinguer. Qu'est-ce qui est de l'ordre du péché? Quel est le but vers lequel on regarde cette inclination? On ne regarde plus ça, on dit juste que c'est une force, mais on regarde que c'est aveugle. C'est pour ça que la philosophie contemporaine a beaucoup accentué ça, surtout depuis Freud, en parlant tout en termes d'instinct. Puisque la sexualité est un instinct, vous ne pouvez pas aller contre. C'est le raisonnement de la philosophie contemporaine. Au Moyen-Âge, alors je ne vais pas dire que le Moyen-Âge était mieux, mais quand on parle d'appétit, on dit « Ah, vers quoi cela m'incline ?» Et en fait, si on regarde la finalité de cet appétit,
Je vais revenir après sur ce que ça implique pour notre sensibilité. Mais en tout cas, du côté de la finalité de cet appétit, même si du côté de notre ressenti, la nourriture ou l'appétit sexuel, on ressent un besoin très fort. Mais on ne peut pas distinguer jusqu'au bout du côté de notre ressenti. Par contre, du côté de la finalité, la conservation de l'individu est nécessaire parce que je suis cet individu moi-même. Par contre, la conservation de l'espèce, elle est remise à toute l'espèce humaine. C'est pour ça qu'il y a une latitude différente du point de vue, entre guillemets, du commandement. Alors, ça c'est la première chose, c'est que si on regarde du côté de l'instinct, on n'arrive pas à trouver de réponse. Et justement, la philosophie contemporaine dit, ne regarde plus l'objectif qui est la génération ou qui est telle chose, mais regarde uniquement cette force en toi qui est inconsciente et toi, par ta conscience, tu veux essayer de lutter. C'est pour ça que la problématique contemporaine, c'est conscient-inconscient. Et c'est une nouvelle manière de poser le problème. Et face à ça, on pense qu'on est submergé par une force inconsciente. Et comme c'est une force, les deux sont des forces inconscientes, que ce soit la conservation de l'individu ou de l'espèce, en tout cas, c'est la même chose. Ça, c'est le premier aspect introductif. Deuxième aspect, en réalité, je vous ai parlé de la vertu de chasteté. Et là, il y a quelque chose qui est quand même différent par rapport au boire et au manger. C'est que le boire et le manger, ça touche quelque chose de notre sensibilité, où si jamais vous ne mangez pas, votre palais se dessèche, hein, c'est ce que dit le psaume 135, hein, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite s'adresse, que ma langue s'attache à mon palais, hein, si je perds ton souvenir. Donc, il y a quelque chose de notre sensibilité du côté du boire et du manger. Si on ne mange pas, on la détruit. Par contre, du côté de la sexualité, il y a un rapport à la sensibilité qui est très différent. C'est que la sexualité implique la tendresse. Et là, une chose qui est très importante, justement, que Freud bloque aujourd'hui, c'est que on ne peut pas vivre sans tendresse. Et c'est ça que développe beaucoup le pape François. On ne peut pas vivre sans tendresse. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose que tout le monde doit avoir, même le religieux, c'est la tendresse. Et ça, c'est très important. On peut... Cet appétit le plus profond... Alors, encore une fois, le péché souvent brouille toutes les cartes. Mais cet appétit le plus profond de la génération, je peux au moins dire, ça a un sens de s'en dispenser comme religieux. Parce que je ne suis pas responsable de toute l'espèce humaine. Par contre, il y a quelque chose dont je n'ai pas le droit de me dispenser, c'est la tendresse. Et ça, c'est une vraie question que tout religieux doit se poser. Je ne peux pas uniquement être... Alors, ce n'est pas seulement le religieux, mais c'est le jeune aussi avant le mariage. Je ne peux pas être uniquement par rapport à ma sensibilité, comme tu dis, dans un rapport de brimade absolue. Et c'est là qu'est un peu le piège. C'est que, en réalité, oui, la tendresse réclame quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie éducation à la tendresse dont parle beaucoup le pape François. Et toute tendresse n'est pas sexuelle. Et ça, le monde contemporain veut nous faire croire. Oui, comme si jamais le sommet de la sensibilité, ça se terminait au lit. Oui, d'ailleurs, l'expression vulgaire dit bien ça, il faut conclure. Comme si jamais c'était la conclusion. Et bien ça, c'est faux. La tendresse humaine est plus forte que la sexualité. Et le lieu le plus profond de la tendresse n'est pas la sexualité. Jésus a été l'homme le plus tendre qui n'ait jamais existé. Et pourtant, alors, on n'est pas Jésus, donc faisons attention, mais il n'y avait pas d'ambiguïté sexuelle. Et les saints montrent ça. Les saints sont des gens de tendresse. Jusque dans leur toucher, jusque leur manière de saisir les choses. Alors moi, je répondrais comme ça. On ne peut pas se priver de tendresse. Et alors ça, c'est très individuel. Chacun, on a à découvrir un lieu où on sent qu'il y a des personnes qui éduquent notre tendresse sans nous faire basculer dans quelque chose d'obscur. Alors, moi j'ai reçu ce témoignage, c'est pas universel. Chacun d'entre nous, on a des lieux où on est rectifié dans notre tendresse, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça peut être d'aller voir quelqu'un qui est malade. On a une vraie présence sensible, il n'y a pas d'ambiguïté sexuelle. Mais ça peut être aussi, il y a certaines personnes qu'on connaît où il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est curieux, je pense que Jésus devait susciter ça auprès de la femme adultère, des prostituées, etc. C'est qu'il y avait une grande tendresse, mais il n'y avait pas d'ambiguïté. Et chacun, on a à se poser la question. J'ai à lutter contre mes penchants, etc. J'ai à trouver des lieux où ma tendresse est profondément éduquée. Je me souviens de ce témoignage d'un fiancé. Alors, encore une fois, on ne peut pas reproduire, parce que c'est tellement individuel. Il disait, mais mon père, il m'arrive quelque chose d'incroyable que je n'aurais jamais imaginé. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il disait, mais quand j'étais adolescent, j'avais une sexualité très chaotique. Et je me disais, quand j'allais me fiancer, je n'allais jamais respecter ma fiancée. Et je ne comprends pas ce qui se passe.
il y a quelque chose dans la présence de ma fiancée, alors il faut faire attention aussi, il me dit, mais en fait, il y a quelque chose où elle m'apprend un espèce d'affinement, que je veux tellement la respecter, que c'est elle-même qui m'aide. Alors parfois, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, chacun, on a un lieu. Donc moi, je répondrais ça. Premièrement, quand on parle en termes d'instinct, on bloque tout. On voit que c'est une espèce de force aveugle. Mais il faut distinguer la finalité la plus profonde qui est la génération, la sensibilité qui est mise au service de cette génération, la tendresse, et la tendresse est plus large que la sensibilité qui est embarquée, j'allais dire, dans l'instinct sexuel. Et ça, oui, on n'a pas le don, on ne peut pas vivre sans tendresse. Et puis, en dernier lieu, je voudrais répondre par rapport à cette réflexion du pape François, je crois que c'est très juste, c'est un lieu, je vous ai commencé par ça en vous disant, c'est un lieu où très souvent, on vit notre rapport à la sexualité uniquement sous mode de culpabilité. On ne sait même pas pourquoi c'est mal, on dit oui, c'est mal. Parce que c'est très très curieux, il y a un lieu de culpabilisation, d'ailleurs dans lequel le démon s'engouffre pour nous faire un peu désespérer en disant « Regarde, tu es sale, tu ne vas pas t'en sortir, etc. » C'est un lieu dans lequel le démon vient, c'est pour ça que la luxure, dit Saint Grégoire le Grand, est un péché capital. Le péché capital, c'est un péché qui engendre un autre péché. Capital, dans caput, il y a la tête. C'est pour ça que les péchés capitaux ne sont pas les plus graves, mais ce sont ceux qui vont faire naître d'autres péchés. Et Saint Grégoire le Grand dit quel est, alors, pour chaque péché capital, il dit il y a des filles, très curieux comme expression, il y a les filles de l'avarice, et il y a les filles de la luxure. Et Saint Grégoire dit c'est quoi là ? Une des filles de la luxure, il dit c'est le désespoir. Parce que le démon veut se servir de ça en disant regarde, tu n'y arriveras jamais. Et très souvent, on vit sous le rapport de la culpabilité. Et c'est ça que Freud a beaucoup abordé, en disant mais c'est un instinct. Et par ta culpabilité morale, tu ne peux pas le comprimer. Et posé comme ça, il n'y a pas d'issue. Alors que je crois que le vrai issue, c'est ce que donne le pape François, il y a une éducation à la tendresse. Et je pense, alors je me souviens plus de cette parole, mais je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faudrait remettre, et je pense que, je ne veux pas dire ce qu'il n'a pas dit, enfin, à sa place, ce qu'il a voulu dire, j'en sais rien, mais moi je l'entends comme ça. Je demande à voir exactement ce qu'il a dit. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui serait juste hein, dans cette expression-là, c'est que, encore une fois, si c'est enregistré, ne dites pas Père Thibault dit quelque chose de bizarre uniquement sur le registre de la culpabilité en disant ah il y a une force d'instinct qu'on doit comprimer mais qu'on comprime avec notre surmoi et notre culpabilité et là ça évite rien du tout peut-être ça évite des catastrophes parce que c'est un lieu quand même où ça regarde la génération c'est pas petit il y a quand même un enfant qui peut naître hein. J'ai commencé par ça, c'est un nouveau rapport à la vie à la mort. Qu'est-ce qui est préférable, un couple qui s'est absolument pas éduqué et qui a vécu dans la peur ou un couple qui a vécu ensemble, et peut-être qu'ils ont eu une éducation à la tendresse. Moi, je prendrais cette phrase du pape François sous forme de cette question-là. Sans aller contre ce que demande l'Église, bien évidemment. Oui, d'accord. Voilà. Caillou contre caillou. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien... Oui. Bien. Première question. Deuxième question. Deux. D'accord. Merci. Bonsoir mon père, bonsoir tout le monde. Je suis arrivé vraiment en retard. Il est possible que ma question ait déjà été répondue, désolé. C'est une question qui se pose et moi j'ai pas la réponse. Moi j'ai vu le thème, j'ai trouvé aussi cool. Désolé, peut paraître un peu difficile aussi. Je suis un peu comme ça. En fait, on voit souvent sur internet, il y a des témoignages. Il y a des personnes qui vivent la continence, la chasteté et tout. Normalement, comme l'Église le veut. Puis après le mariage, on se rend compte que peut-être l'homme a du mal à satisfaire la femme et vice versa. Et après, ça se sépare. Et donc, le commun des mortels a tendance à dire, de façon vulgaire, à Abidjan, on lui dit, mon cher, il faut goûter le produit parce que, arriver de loin, on sait jamais. Alors, ah oui, voilà. Donc, désolé, je viens d'arriver en fait. Donc je me pose la question et quand tu regardes ça, tu suis souvent les témoignages, il y a beaucoup de divorces et à cause de ça. Je me suis déjà retrouvé un jour au palais de justice. J'attendais un oncle des juges. J'ai fait beaucoup d'heures, j'étais assis, il y avait tout un tas de femmes comme ça. Et à ma grande surprise, elles étaient toutes là pour divorcer. Je dis waouh, autant de monde, c'est comme ça ici tous les jours. Et quand tu regardes un peu les statistiques, quand tu te renseignes, la plupart du cas, c'est ça. Ou la dame est en son mari parce que bon, on a tendance à se dire sur le cheminement,
temps essayer de voir si ça va. Mais... Merci pour votre confiance et votre aimable attention. Surtout, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci et que Dieu vous bénisse. Thank you.